Voilà, donc là on a une photo, une vidéo qui permet de voir notre plan de vigne, plutôt notre morceau, notre petit bout de bois de vigne planté le 1er novembre dans ce petit pot, et qui, comme on le voit ici, eh bien c'est bien développé. On va voir également les racines. Alors ici on en voit une petite, et c'est la mise au point sphère. Ici également on voit une autre, et puis les grosses ici, un peu plus gros aussi. Voilà, donc là on a un plan qui est bien parti pour faire sa vie et pour être bientôt remis en terre dans notre jardin des fadas. Alors voilà, nous sommes le 20 novembre. Les plantations qui ont été faites à la Toussaint commencent à porter leurs fruits. Ici, on voit la première feuille. Pour l'instant, les deux autres ne donnent rien. Donc, nous allons suivre attentivement la suite des opérations dans les jours et les semaines qui viennent. Alors voilà, nous sommes jeudi 1er décembre. Alors, ça bouge un peu, mais ça permet, vu d'en haut, de voir les jeunes pousses. Ça fait pile un mois que cette bouture de vigne a été placée dans cette atmosphère saturée en humidité et placée à l'ombre. Je viens donc d'ouvrir le bouchon, car la petite pousse que l'on voit ici était en train de toucher le bord de la bouteille, ce qui risquait de la mettre en contact directement avec l'eau qui se trouve sur le côté de la bouteille, et donc de lui faire pourrir la feuille. Voilà, donc on constate qu'il y a eu en un mois plusieurs endroits dans la bouteille qui ont permis l'éclosion de feuilles. Donc là maintenant on va laisser pendant encore un petit moment, c'est-à-dire environ un mois, et on va attendre que tout autour d'ici on commence à voir des racines qui apparaissent, et à ce moment-là eh bien donc on enlèvera ici le plastique le scotch plutôt qui sépare les deux plastiques du haut et du bas. Ici, là, je sais pas si on voit bien, oui, on voit bien là, puisque là on a réellement des racines, deux belles racines qui sont sorties et qui donc bien alimentent évidemment le plant, donc c'est très très bon signe. On va attendre qu'il y en ait d'autres qui sortent, et au rythme où ça va, je pense que d'ici 3 semaines, 1 mois, on pourra enlever donc le scotch qui se trouve là. Alors, retour sur nos plants de vigne. Là, nous avons 3 plants qui ont été mis exactement le jour de la Toussaint, donc en pot, en atmosphère saturée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous eu un niveau de développement différent. Alors, si on prend le premier, on voit d'une part qu'il a développé quelques feuilles. Je ne sais pas si on voit bien d'ailleurs. Peut-être par en dessus, ce sera mieux. Donc, non, c'est pas mieux, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir. Donc, il a développé quelques feuilles, et ce qui est plus intéressant, surtout parce qu'il ait développé des feuilles, c'est une chose, mais surtout ce qu'on remarque bien ici, c'est, on va voir là, le système racinaire, ici, qui commence à sortir, ici aussi, ici aussi, ici aussi.
là aussi. Donc on commence à être avec un plan qui a très très bien démarré. Alors je pourrais déjà enlever peut-être ici, mais l'année dernière j'ai enlevé un peu tôt. Je n'avais pas vu d'ailleurs quand j'avais enlevé l'année dernière le système racinaire qui se développait. Donc je pense que c'est ça la cause de mon échec l'année dernière sur ces boutures. J'étais trop rapide, j'étais trop pressé. Donc là, je prends mon temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre encore un peu, que j'ai un peu plus encore de racines. Quand je verrai pas mal de racines tout autour, eh bien, à ce moment-là, j'enlèverai ici et on laissera le plan commencer à faire des feuilles et je planterai au printemps. Donc ça, c'est pour le plan de vigne numéro 1. Alors le deuxième qui a été plus long à démarrer, mais qui a démarré également, le voilà, ici. Lui, pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert, d'abord parce que les feuilles, pour l'instant, ne sont pas montées jusqu'au bord, et donc ne pourriront pas. Donc pour l'instant, autant les laisser se développer tranquillement. D'autant que, on constate également que pour l'instant, là, il n'y a aucune trace de développement racinaire. Donc, c'est peut-être la feuille qui se développe actuellement sur les réserves du tronc. Normalement, le système racinaire devrait suivre, mais pour l'instant, on en est là, donc on reste prudent. Troisième, planté le même jour. Alors lui, pour l'instant, échec total. Donc j'analyserai ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va le laisser vivre sa vie encore. Peut-être qu'il faut être patient là aussi et que je suis trop pressé. Ça fait un mois et demi déjà. Pour l'instant, rien. Donc c'est vrai qu'entre le premier qui est sorti, où les feuilles ont commencé à sortir en très peu de temps, en 15 jours, 3 semaines, celui-là qui est sorti au bout d'un mois à peu près, et celui-là au bout d'un mois et demi, où pour l'instant il ne se passe rien, on a donc trois exemples intéressants de développement qui ne se font pas au même rythme. Et donc on va suivre ça, donc suite au prochain épisode.